Bonjour, une petite vidéo pour les terminales STMG de la rentrée 2024 pour vous expliquer comment on va fonctionner, notamment en management. Donc, se rendre, pour certains, vous le savez, sur la chaîne et ensuite cliquer sur blog pour arriver à la page d'introduction et les années qui s'affichent. Donc, dans année 2024-2025, vous aurez la classe qui vous correspond, donc terminale STMG. Et quand vous cliquez dessus, vous aurez après accès à un mur collaboratif que voici. Donc sur ce mur collaboratif, il y a une grande partie de ce que vous devez savoir pour l'objectif bac, avec des informations sur Parcoursup aussi, des informations sur le grand oral, donc on en reparlera, et puis aussi tout le programme qui est le vôtre sur cette année-là. Donc, il y aura aussi des exemples de sujets. Je vous rappelle que le MSGN, Management Sciences de Gestion et Numérique, c'est une épreuve écrite et avec un gros coefficient. Donc, on en reparlera. Vous avez donc ensuite eh bien, tout le programme de l'année, trois thèmes, 16 chapitres. Et pour chaque chapitre, vous avez un Géniali. Donc, ceux qui ont déjà eu cours avec moi l'année dernière connaissent. Le premier Géniali, la première leçon, c'est quel produit et quel service pour quel besoin. Et donc, vous avez les notions. Donc là, il est décomposé en quatre parties. J'en reparle avec vous pour vous expliquer ce qu'on trouve sur ce Géniali et comment ça fonctionne. Ensuite, donc, on va penser tout de suite au bac, c'est-à-dire que vous aurez une simulation par rapport aux notes que vous devez avoir au bac. Alors, je sais, je vous en parle tôt. Mais plus vous pensez à ça tôt, mieux c'est. Vous voyez, j'ai mis 10 partout, ce qui veut dire que vous l'avez. Il y a donc l'évaluation finale avec à passer. Donc le français, vous l'avez passé en classe de première. Vous aurez la philo, le grand oral, droit économie et la MSGN, management et spécialités. Ensuite, tout ça, c'est du contrôle continu. Donc commencez à travailler dès la rentrée, puisque les notes vont compter. Et on en reparlera ensemble parce qu'après, bah, vous pouvez vous retrouver au rattrapage, ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions. Voilà, j'espère que ce sera utile pour certains d'entre vous. On reparle un peu de comment on va se servir des Géniali et qu'est-ce qu'on va faire. Sur le mur collaboratif, j'ai laissé certaines choses de l'année dernière que j'enlèverai après vous les avoir montrées. Voilà, je vous souhaite une excellente année. Bon courage à tous.